What's up, ici Kevin NVK. Avec la casquette jaune, parce que la casquette jaune, c'est ça qui donne du contenu à mes vidéos. Sans la casquette jaune, j'ai aucune forme de contenu. Aucune. Où c'est que vous étiez? Ouais, tu sais, cette journée, tu sais, cette fête qu'on nomme Saint-Jean, qu'on est censé célébrer, d'où qu'on vient, tu sais, notre culture, qu'on est censé sortir et s'amuser. Où c'est que vous étiez? T'étais sur Facebook, man! C'est fou, pas bon! Toi, t'étais où? Eh bien, je suis très content que tu me demandes ça, car j'étais dehors. Tu sais, cette émotion qu'on vit de moins en moins, qu'on nomme la réalité. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne parce que la température était nulle. Sans toute cette technologie, sans vos cellulaires, sans Internet, sans votre télévision, auriez-vous trouvé le courage d'affronter cette pluie? Tout le monde qui m'ont dit qu'ils seraient présents ont été drôlement aperçus sur le chat Facebook. Vous m'avez laissé tout seul avec des vieillards louches. Un homme, un homme spécial, tu sais. Je sais pas comment dire ça, mais il avait l'étrange manie de boire très publiquement en provoquant les passants innocents et lancer ses bières. Moi, je portais des shorts, puis je passais par là, tu sais. Puis, il a comme lancé sa bière, mais il m'a comme, je sais pas comment dire, presque coupé la jambe. Ça, je sais pas si tu le sais, même moi qui est un être, un individuel désaxé, que ça coûte mal, qui se ne place pas nécessairement les cheveux avant de tourner une vidéo, j'ai comme trouvé ça très incohérent et pas très bien timé. Alors, je regardais cet homme caler ses bières pendant qu'il était après brusqué d'une poubelle sans raison adéquate. J'ai comme remarqué qu'il avait laissé une bière sans surveillance. Et c'est alors que j'ai compris ça servait à quoi être en compagnie d'un ami qui possède toujours des extasies dans ses poches. Parce que quand il a fini sa bière, il est tombé drôlement calme, cet homme. Le karma des fois, hein? Le karma. Ah, je te dis, des fois, ça peut jouer des tours, le karma. Mais pour de vrai, les réseaux sociaux sont en train de prendre une trop grosse place dans notre vie. Puis ça, il est temps qu'on le réalise, je veux dire. On est rendu à l'étape où est-ce qu'on se ment, puisque le simple petit changement climatique peut t'empêcher de vivre une journée qui peut quand même être belle, même s'il y a des gouttelettes de pluie qui tombent du ciel. À un moment donné, ce qui va arriver à une certaine ampleur, c'est que les jeunes vont s'habituer à ça. La génération, peut-être pas après nous autres, mais après eux autres, là, ils vont naître là-dedans. Ça va être normal. Ça va être normal. Puis, moi, ce que j'ai peur qui arrive dans le futur, sincèrement, c'est à force d'avoir la technologie avancer plus vite que l'homme. Dehors, il n'y aura plus personne. T'sais, dehors, ça va être rendu les rebelles de la société. Tellement que le monde va s'habituer à augmenter la technologie. À un moment donné, c'est sûr que tu vas pouvoir manger par télépathie ou je sais pas, ça va aller loin. Oh, je peux dire, l'Halloween, quand j'étais jeune, c'était plein. Maintenant, une quinzaine de personnes. Et ça, même chose pour la Saint-Jean, ça m'a déçu parce que les deux années avant, la première fois c'était plein, plein, plein. L'année passée c'était plein. Là ça a carrément décalé. Puis l'année prochaine, ben, il n'y aura probablement personne. Mais pluie ou pas, orage ou pas, moi être là. Vidéo en général.